Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler de l'exploit que le Bitcoin a fait actuellement. Il est passé à 45 000 dollars. Mais bien avant ça, nous allons parler un tant soit peu de l'historique même du Bitcoin. Voilà, et depuis, on va dire, sa création jusqu'à aujourd'hui. Voilà son évolution, nous allons en parler. Et aussi, voilà, tout en faisant le bilan sur le Bitcoin, nous allons faire le bilan aussi de l'année 2023. Quelles sont les crypto-monnaies qui ont performé au cours de cette année? Nous allons en parler. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Voilà, juste pour vous dire, il y a eu des exploits. Et donc, certains ont tiré les épingles du jeu des crypto-monnaies, sont partis qui ont fait plus de 600%, d'autres sont allés à 68 000%. Alors c'est extraordinaire ce qui s'est passé en 2023. Qu'est-ce nous réserve en 2024? Qu'est-ce nous réserve en 2025? C'est, voilà, à partir de cette vidéo que vous allez pouvoir vous projeter pour véritablement savoir sur quelle crypto-monnaie se focaliser, tout en espérant, voilà, faire aussi des fois 1000, des fois 100. Voilà, donc ça dépendra de la crypto-monnaie en question. Et n'oublions pas aussi que sans formation, il sera aussi difficile vraiment de trouver les bons narratifs et de savoir même quelles sont les crypto-monnaies encore qui vont pouvoir sortir les épingles du jeu. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéo. Voilà. Donc, certaines crypto-monnaies ont tiré les épingles du jeu en 2023. Alors, quelles sont ces crypto-monnaies? Bien avant d'y aller, alors, regardons déjà le marché du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'il est en train de faire d'abord. Voilà. Et donc, nous savons déjà qu'il atteint, voilà, les 45 000 dollars. Voilà, au-delà de ça, maintenant, nous pouvons maintenant attaquer l'historique du Bitcoin, voilà, depuis sa création. Mais nous allons nous concentrer sur une période assez importante qui est le jour de Noël. Voilà, le Bitcoin a atteint certains niveaux. Voilà, le 25 décembre, voilà, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 2023, 2024, voilà. Donc, on va voir ce qu'il va donner en 2024. Mais jusqu'en 2023, alors nous allons regarder rapidement. Voilà, et nous allons commenter ensuite. Alors, en 2010, alors le Bitcoin, le 25 décembre, il était à 0,25 $. C'est extraordinaire. Bitcoin à 0,25 $ en 2010. 2011, il était à 4, c'est pas possible. Alors, il était à 4 $ et quelques. Voilà, à 4,22 $ exactement. En 2011, 2012, il était à 13,35 $. 2013, 690 $. 2014, 318 $. 2015, 455 $. 2016, 895 $. 2016, rappelons-le, c'était le premier halving. Alors, le Bitcoin était à 895 $. Alors, 2017, voilà, il était toujours, toutes les dates que je suis en train de donner, alors ce sont des dates, voilà, correspondant au 25 décembre de toutes ces années que je suis en train de citer. Ce sont les montées qui se sont passées le 25 décembre qui ont été répétées. Donc, en 2017, 13 779 $. 2018, 3 779 $. 2019, 7 193 $. 2020, 24 705 $. 2021, où nous approchons vraiment. Voilà, donc 2021, 50 440 $. 2021, c'était vraiment l'explosion totale. Hein? Voilà, le 25 décembre. Voilà. Voilà, donc 2022, alors il a culminé, voilà, il a clôturé autour de 16 828 $. Et 2023, voilà, l'année que nous venons de finir, voilà, alors il était à 43 146 $. Donc, du coup, voilà le 25 décembre, voilà les différents prix que le Bitcoin a. Et 2024, il sera à quel niveau le 25 décembre? Alors, 2025 aussi sera à quel niveau? Alors, au vu de toutes ces informations,
Alors chacun peut se projeter un tant soit peu, voir déjà. Alors quand on regarde le parcours du Bitcoin depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, alors c'est une courbe ascendante. Alors il est toujours voilà, en train de monter, voilà, quels que soient les différents voilà, niveaux qu'il a atteints. Alors quand on trace une courbe, il est toujours ascendant. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, voilà, c'est un actif qui est déflationniste. Voilà ce qu'il faut retenir. En 2021, il a culminé, voilà, son premier ATH le plus élevé, c'était 69 000 dollars en 2021. Alors le marché de toutes les crypto-monnaies est passé à 3 000 milliards de capitalisation boursière. En ce moment, nous n'avons pas BlackRock, nous n'avons pas VanEck, nous n'avons pas Fidelity, voilà, nous n'avons pas Templeton. Tout cela n'était pas encore dans le marché. Alors que 2024, alors c'est une année très importante pour tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que en avril prochain, nous aurons un phénomène important qu'on appelle le halving. Alors, la récompense qui est destinée aux mineurs sera réduite de moitié. Les mineurs alors reçoivent 6,25 voilà, Bitcoin pour la sécurisation du réseau. Alors, cela va passer à la moitié de sa valeur qui sera 3,125 qu'on donnera aux mineurs. Alors, ce qui va engendrer ce qu'on appelle une pression acheteuse. Oui, pourquoi? Parce que le halving, alors, c'est un phénomène voilà, assez important. Alors, il y a eu déjà plusieurs halvings en 2001, et en 2012, en 2016, en 2020 et maintenant, voilà, en 2024, le prochain halving. Alors, donc, tous ces halvings qui se sont succédés, alors nous avons vu ici un BTC qui a performé, voilà, à cette période. Alors, est-ce qu'il manquera à l'appel? Je ne pense pas. Avec des géants comme BlackRock, comme Fidelity, comme Grayscale, qui auront leur ETF accordé dans quelques jours, alors jusqu'au 8, voilà, au plus tard le 10, alors la SEC doit se prononcer sur les ETF qui ont été demandés par Grayscale, par Fidelity, par BlackRock. Alors tous ces géants qui demandent à faire un ETF spot en Bitcoin, alors tout ça alors, va avoir vraiment de l'engouement sur le marché, poussant le Bitcoin à atteindre peut-être même déjà son ATH, puisqu'il est déjà à 45 000 dollars. Peut-être avec l'accord d'un premier ETF, le Bitcoin risque d'aller dépasser déjà même son ATH, qui était de 69 000 dollars, avant maintenant de progresser vers les 100 000 dollars, aller briser la barre des 100 000 dollars et d'aller encore plus loin. Voilà, car le BTC alors, a subi pas mal de pertes au cours de ces dernières années, de 2022 jusqu'en 2023, il n'y a eu que des situations vraiment assez catastrophiques sur le marché, à commencer par Terra Luna Classic, Terra Luna Classic, FTX, voilà, Terra Luna qui est parti, et FTX aussi, pendant qu'on est en train de coller les brèches là-bas, FTX est venu donner le coup de grâce. Donc, on est en train de gérer FTX, voilà, ils ont commencé à s'attaquer aux différentes plateformes de crypto-monnaie, Binance, et Kraken, Coinbase, aucune plateforme n'a échappé. On n'a pas encore fini de gérer ça. Ils sont passés, la SEC a encore attaqué les différentes crypto-monnaies. Voilà, ce sont des securities. Voilà, donc ces crypto-monnaies, Solana était dans la liste. Voilà, XRP. Voilà, le combat était acharné entre XRP et la SEC. Voilà, vous avez vu que, voilà, à cette période, même Coinbase, même dans la panique, a enlevé XRP et Solana de sa plateforme. Alors, toutes ces crypto-monnaies ont vu leur valeur fondre comme du beurre au soleil. Donc, par la suite, il y avait la panique partout dans le marché. Voilà, vous savez qu'à cette période-là, Solana s'est négocié à 13 dollars, nom de Dieu, les gars. Solana s'est négocié à 13 dollars. Aujourd'hui, il est déjà à 115 dollars. Vous devez comprendre là que la crypto-monnaie, lorsque les gens paniquent, c'est là qu'il faut aller acheter. Alors, pendant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les armes crépitaient au plus haut, qu'est-ce qui se passait? Alors, les plus grands, voilà, tels que les Rockefeller, voilà, tout cela partait payer, voilà, les, voilà de, comment on appelle, les biens, voilà, les différentes entreprises qui étaient en faillite. Ils payaient ça en cascade pendant que les armes sont en train de crépiter. On ne sait même pas s'il y aura un issue favorable à la guerre, mais c'est maintenant qu'eux partaient payer. Alors, vous devez comprendre que lorsque il y a une grande crise, même la COVID-19, même quand il y a une grande crise, c'est à ce moment précis que voilà, il faut vraiment voilà, être les Rothschild et les Rockefeller, voilà, payer les biens, que ce soit voilà les entreprises en faillite, voilà, que ce soit
comment on appelle, des biens matériels, que ce soit des tableaux, en tout cas tout ce qui avait de la valeur, eux, ils s'en en procuraient. Pourquoi? Parce que les gens étaient en train de chercher à brader tout ceci. Donc, dans le bear market aussi, c'est comme ça, voilà. Certains crypto-monnaies, voilà, étaient vraiment en chute libre. Alors, c'était à ce moment-là qu'il fallait accumuler. Voilà. Et donc, malgré ceci, voilà, et lorsque le XRP a eu raison de la SEC en gagnant à son procès, les choses sont reparties à la hausse. Et donc, on a vu que le marché a essayé de respirer un tant soit peu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir aussi Binance qui a été attaqué, on a sommé CZ à rendre démission, voilà, a été remplacé par Richard. Alors Richard qui est à la tête aujourd'hui de Binance. Et tout ça, voilà, en prélude de quoi? Pour que encore d'autres grands viennent prendre encore les rênes de la crypto-monnaie. Voilà, en BlackRock qui, en sourdine, en train de se préparer. Voilà, tout ceci. Il faut préparer le terrain au roi qui est en train de venir encore. Donc, c'est vraiment un monde assez palpitant. Mais il faut maîtriser le jeu vraiment pour être un gagnant. Sinon, vraiment, tu risques d'être pris dans l'étau et de perdre pied et de prendre de mauvaises décisions. Alors, nous allons récapituler un temps soit peu les crypto-monnaies qui ont tiré leur épingle du jeu. Commençant par le Bitcoin lui-même. Alors, le Bitcoin a tiré son épingle du jeu. Il était descendu jusqu'à son plus bas, 16 000 $, avant de remonter aujourd'hui jusqu'à 45 000 $ à l'heure de cette publication. Voilà, c'est un grand gagnant de ce bear market. Après le Bitcoin, nous avons vu un Ethereum aussi qui a chuté drastiquement. Alors, après le Ethereum aussi, remonté à la pente, voilà, pour repartir jusqu'à 2 000 $. Alors, aujourd'hui, c'est ça aussi un grand gagnant. Après le Ethereum, alors, Solana est un grand gagnant de ce bear market, je l'ai déjà dit. Alors, Solana était descendu qu'à 13 $. Aujourd'hui, il est monté jusqu'à 123 $ à l'heure de cette publication. Il était à 115 $ avant que nous fassions cette vidéo. Alors, c'est un grand gagnant de cette remontée du Bitcoin et de ce marché haussier qui est vraiment en phase. Alors, Ordi, voilà, de Ordinal. Voilà, qui aussi est un grand gagnant, voilà, lancé à 2 $, alors il est monté jusqu'à 100 $, Ordi est un grand gagnant, faisant plus de 3 000 %, Ordi l'a fait. Alors, c'est-à-dire que lors des différents bull market ou bear market, alors toujours un même coin essaie de tirer son épingle du jeu. Alors, en 2021, nous avons eu le Shiba qui a frappé fort, la crypto-monnaie la plus médiatisée de 2021, faisant plus de 60 000 000 %. Alors, en 2022, d'autres crypto-monnaies se sont positionnées, à l'instar de Pepe, qui a frappé fort en 2020. Voilà, lui, en 2 semaines seulement, Binance l'a listé, parce que voilà, Pepe n'a pas joué avec quelqu'un. Alors, lui, il est venu, il a pissé sur la tête de Shiba, pissé sur la tête de Floki, pissé sur Doge Elon, pissé sur Baby Doge, tous les mêmes points, la pissé sur ses grands frères, il dit, vous allez les planter devant moi. Alors, Pepe a tapé une capitalisation boursière d'1 milliard de dollars en 2 semaines. Voilà, extraordinaire, Binance n'a pas eu le choix que de le lister très rapidement. Vous voyez, alors chaque année, il y a une crypto-monnaie qui tire son épingle du jeu. Alors cette année, c'est Banco qui frappe fort parce qu'il a lancé en 2022. Alors, il n'a pas fait quelque chose. Alors, c'est en 2023 qu'il se révèle, donnant un coup de pouce extraordinaire à son émetteur qui est, voilà, Solana. Les développeurs de Solana ont compris que, alors, si nous voulons donner vie à Solana, alors ça ne serait pas en disant Solana est rapide qu'Ethereum, Solana a moins de frais d'exécution qu'Ethereum. Ce n'est pas ça qui va attirer la masse. Si nous voulons attirer de la liquidité, il nous faut créer un même coin. Et ils ont vu juste, ils ont lancé Bank. Et donc, pour donner même un coup de pouce encore à Bank, ils ont lancé leur téléphone intelligent. Et dans ce téléphone intelligent, 100 millions de banques étaient intégrées dans ce téléphone. Donc, dès que vous payez le téléphone, c'est comme si, voilà, à l'intérieur du téléphone, vous avez 100 millions de banques. Alors, quand on évalue tout ceci, c'est comme si ça vous revenait à 600 $, alors que le téléphone ne coûtait, le téléphone coûtait combien? Quand on enlève avec le bon qui est à l'intérieur, c'est comme si vous avez fait un retour sur investissement de 500 $ le téléphone. Voilà, parce que c'était pratiquement, voilà, 599 $ le téléphone. Alors, quand vous enlevez ça, c'est comme si vous payez le téléphone à presque 100 $. Voilà ce qu'ils ont fait pour redonner vie à Solana, attirer une grosse liquidité au niveau de Solana qui a, voilà, allé frapper les 123 000
les 123 dollars. Alors, tout ça, vous devez comprendre là que les mêmes coins, c'est une valeur sûre si vous voulez vraiment créer de l'engouement sur votre blockchain. Et toutes les blockchains qui ont compris cela ont commencé à jouer à ce jeu. Alors, c'est un nouveau narratif qui vient d'être créé à partir de là. Alors, après Solana, on a vu Coq Unu qui a été lancé sur Avalanche, donnant encore de la liquidité à Avalanche. Le PDG d'Avalanche vient de faire une annonce disant que, voilà, pour l'année 2024, alors, dans leur programme d'exécution, alors, ils vont mettre beaucoup d'argent dans les mêmes coins. Alors, s'ils doivent mettre beaucoup d'argent dans les mêmes coins, il va laisser son même coin à lui. C'est chez Shiba, il va les mettre là. Il ne va pas les mettre là dans Shiba. Il va mettre l'argent d'abord dans son même coin qui lui apporte de la liquidité, qui est Coq Unu. Alors, ne soyez pas étonnés. De toute façon, vous avez vu Bonk là. Un matin encore, ce Coq Unu va frapper fort. Il va dire, à quel moment il a été lancé? Là, c'est extraordinaire. Alors, c'est comme ça que la crypto-monnaie marche. C'est comme ça. Il faut savoir jouer à ce jeu-là pour tirer votre épingle du jeu. Après ceci, nous avons vu, voilà, aussi une autre blockchain qui est quoi? Voilà, avant ça même, on a vu BFE qui a été lancé sur la blockchain, voilà, de Breeze. Breeze Token qui a lancé BFE. Alors, pour donner aussi de la liquidité à Breeze Token aussi, BFE aussi qui a frappé fort aussi, voilà, dans cette logique-là. Alors, lui aussi, il n'a pas manqué à l'appel. Il a vraiment joué son rôle. C'est pourquoi il a été appelé. Alors, BFE a joué sa partition. Alors, BFE nous a fait 611%. Voilà, à un mois seulement, dès qu'il a été lancé, 611%. Quittant 3,012 jusqu'à 2,01. Voilà, BFE nous a fait 611%. Alors, pas mal de crypto-monnaies ont tiré ainsi les épingles du jeu. Alors, parlant même de toujours de banque, alors banque a fait plus de 16 000%. Voilà ce que banque a fait. Voilà, avec le nombre de zéros qui était en 2022, qui était jusqu'à 7 zéros, 8 zéros. Il a fini avec 4 zéros, se retrouvant actuellement avec 4,01. Extraordinaire. Coinbase, voilà, voyant la liquidité en train de circuler, Coinbase l'a listé rapidement. Alors, Binance a suivi le lendemain. Quelques jours après, voilà, Kraken qui l'a listé aussi. Voilà encore une autre crypto-monnaie qui n'a pas encore fini de se faire entendre. Alors, 2024, alors, est-ce qu'il sera encore l'un des gagnants? Alors, je vous laisse aller faire vos différentes recherches là-dessus. Alors, parlant des crypto-monnaies aussi qui ont déjà dépassé l'épreuve du feu. Alors, du Shiba. Shiba est à 5 euros après la virgule. Alors, il a avalé en quelques jours seulement 1 euro. Donc, le Shiba actuellement, il est, voilà, un des grands gagnants de ce bull market qui est en train de pointer le nez. Alors ça, c'est son échauffement qu'il a fait juste à cause de l'engouement qui est en train de se passer actuellement sur la blockchain Shibarium. Voilà, le Shiba, un grand gagnant et qui est encore, voilà, en train de se réveiller, voilà, de sa léthargie pour frapper encore très fort comme vous ne l'avez jamais vu. Alors, de grandes nouvelles sont en train de venir sur le Shiba. Alors, continuons. Token Fi qui a été lancé par Floki. Floki aussi, attirant de la liquidité aussi, a lancé cette crypto-monnaie qui est venue pourquoi? Pour la tokenisation des actifs. Alors, TokenFi a été lancé avec 4,049. C'est extraordinaire. Alors, TokenFi a fait 68 054%. C'est extraordinaire. Et voilà ce qu'il a fait en 2 mois. Je ne vous dis pas en 1 an, il vous a fait ça en 2 mois. Parce qu'actuellement, il se négocie à 0,03. Voilà ce que TokenFi a fait. Voilà une crypto-monnaie, voilà, que vous dites, même coin, lancé par un même coin qui vient encore. Voilà que vos blockchains extraordinaires sont dans vos mains. Voilà, TokenFi est venu, rendant des gens millionnaires. Si vous aviez investi seulement 100 dollars au lancement de TokenFi, alors vous serez actuellement un millionnaire. Pourquoi? Parce que TokenFi vous aurait donné plus de 30 000 dollars. Voilà ce qui est en train de se passer dans le monde de la crypto-monnaie. Plus de 15 millions vous allez faire avec TokenFi si vous avez investi seulement que 100 dollars, c'est-à-dire 65 à 70 000 francs que vous aviez investi à son lancement. Alors, il faut aller te promener sur le net, cherche les blockchains extraordinaires. Voilà. En 2024, encore, on va venir te citer encore les crypto-monnaies qui ont frappé fort. Il ne faut pas te former, il faut te promener comme un vadrouillard qui vadrouille. Alors, tu vas comprendre ce qui se passe. Quand on vadrouille, on peut rencontrer aussi des choses dangereuses sur notre route parce que nous ne savons pas où partons. Nous sommes en train de déambuler. Donc, vous allez prendre droit de votre dragon. Donc, voilà, de ça, c'est de ça qu'il est question.
parlant même des crypto-monnaies encore qui ont frappé fort, parlant de Tao, BitTensor. BitTensor s'est négocié à $30. En quelques jours seulement, BitTensor, qui est aussi dans un des narratifs très importants, quoi, la tokenisation des actifs, BitTensor se négocie actuellement à $265 à l'heure de cette publication. Voilà encore un grand gagnant qui a frappé fort dans ce bull market qui est en train de pointer du nez. Alors, on va terminer rapidement par une pièce qui n'est plus à présenter, qui est le Cake. Le Cake, une crypto-monnaie qui est issue d'une plateforme décentralisée de la Binance Smart Chain. Alors, Cake aussi a tiré son épingle du jeu. Alors, il s'est négocié à $1. Alors, il est monté jusqu'à $3.58 à l'heure de cette publication. Token, comment on appelle, Cake, voilà, nous fait cette performance déjà multipliant tous ceux qui ont fait nos différentes formations, multipliant déjà les gains, pendant qu'on n'a encore rien dit d'abord, alors par 3. Voilà ce qui est en train de se passer déjà avec le Cake. Et il n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Le Cake, si vous ne le savez pas, a été lancé en 2020 avec une valeur qui se négociait autour de 3,023. Je vais vous dire bien, 3,023 à son lancement. Et en 2021, il vous fait un ATH de $44. Voilà la force de la crypto-monnaie. Et donc, ce Cake-là qui descend aujourd'hui, suite au bear market qui se négocie à $1, de $1, il se retrouve à $3. Tu es en train de te promener, tu déambules encore, tu cherches encore. Ah, l'ignorance, tu. Voilà des choses que vous devez savoir. Alors, le Cake, alors quand on regarde à ce niveau où il est, alors il nous a fait déjà, voilà, comment on appelle, 1734% selon les données de CoinGecko. Voilà ce que le Cake a déjà fait. Et donc, il n'a pas encore fini de parler. En 2024, en fin d'année encore, on va vous donner encore les différentes performances des crypto-monnaies qui auront fait encore des bons extraordinaires, nous propulsant encore pour 2025. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, tout ceci, alors vous ne pouvez pas tirer votre épingle du jeu parce que vous serez vraiment perdu si vous n'êtes pas, voilà, coaché, si vous n'êtes pas, voilà, formé et guidé. C'est un écosystème vaste, des narratifs qui se succèdent, voilà, ces narratifs-là, les mêmes points, quoi qu'on en dise, laissent toujours les traces indélébiles. Alors, c'est pourquoi nous avons tardé, nous avons donné plusieurs narratifs ici, on a parlé des narratifs, voilà, de la DeFi, nous avons parlé des narratifs de RWA, nous avons parlé des narratifs des mêmes coins. Alors, pour ne citer que cela, on a même parlé, alors, si vous ne savez pas, BitTensor, aussi dans le narratif de l'intelligence artificielle. Alors, nous avons touché à presque tous les narratifs du moment. Alors, quels sont les narratifs qui vont être utilisés pour le bull market, voilà, qui est en train de pointer du nez? Alors, 2024-2025, quels sont les narratifs qui seront explosifs? Quelles sont les crypto-monnaies qui seront utilisées pendant ces narratifs? Alors, c'est là que vous devez vraiment agir à travers les différents, voilà, épisodes de formation. Alors, la prochaine formation se tiendra au niveau de Mans. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Onyawa. Alors, cette formation se tiendra le 5 et le 6, voilà, janvier. Alors, c'est dans quelques jours. Allez rapidement interagir auprès du leader Nyawa pour profiter des informations. Alors, parce que nous partons avec plein de bagages. Voilà, les bagages pour l'année 2024 et 2025. Alors, on va les décharger ça en main. Voilà, donner la part des mains et continuer avec le reste. Alors, main. Donc, préparez-vous, voilà, pour recevoir vos différents cadeaux de l'année. Voilà, on vient les mains chargées, le Père Noël vient à vous, les mains chargées de, voilà, de vos différents cadeaux. C'est de ça qu'il est question. Alors, après Man, alors nous allons partir directement à l'international, au Burkina Faso, voilà, pour aller voir le leader Alassane. Alors, et tous les Burkinabés, alors vous êtes intéressés, alors allez interagir avec le leader Alassane. Cette formation se tiendra le 27 et le 28, voilà, de ce mois-là, de ce mois de janvier. Alors, donc, les Burkinabés aussi auront les parts du gâteau, voilà. Et donc, afin que, voilà, à la fin de tout ceci, les bilans soient assez positifs pour chacun d'entre nous. Alors, par la suite, nous allons revenir en Côte d'Ivoire, aller interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Yapi, au niveau d'Abengourou. Alors, Abengourou va nous accueillir, voilà, le 24 février 2020.
24. Alors, les 24-24, voilà, donc tout se passe en 24 au niveau d'Abengourou. Allez interagir rapidement avec le leader, voilà, d'Abengourou, qui est le leader Yapi, que nous saluons au passage. Ensuite, nous allons interagir avec la ville de San Pedro, par l'intermédiaire de son leader qu'on appelle le leader Tébi Joseph. Alors, cette formation se tiendra le 15 et le 16 mars prochain au niveau de San Pedro, la ville balnéaire de San Pedro. Allez interagir avec le leader, voilà, et Tébi Joseph et son acolyte Sango de tous les jours. Alors, bien avant de tout ceci, alors nous allons d'abord faire une conférence au niveau d'Abidjan. Cette conférence se tiendra, voilà, le 17 février au niveau de la bourse de travail de Trégile. Voilà, grâce au leader Bill, au leader Georgette, au leader Elisabeth, alors vous devez interagir, prendre votre part du gâteau. Déjà, en termes d'information, les détracteurs qui sont en train de pulluler les quartiers, qui sont les grands analystes financiers, qui sont des grands intellectuels, qui disent que les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, alors laissez-les dans leur démagogie et amenez-les à moi. Voilà, venez, venez mes enfants. Nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas aux crypto-monnaies. Mais tu vas croire aux crypto-monnaies. On ne va même pas faire 5 minutes d'échange avec toi pendant que tu vas comprendre que, alors, il y avait un voile d'ignorance qui t'empêchait de voir. Alors, ce voile-là va fuir avec les quelques mots seulement que nous allons balancer. Alors, ton subconscient, c'est-à-dire ton intellect va faire un tour d'horizon très rapidement pour te ramener vraiment sur terre, pour dire, mon frère, tu es dans l'illusion, alors réveille-toi. Sinon, un matin, alors c'est ton voisin du quartier qui va venir taper à ta porte, mon frère. On est venu, c'est pour faire les enrôlements. Mais enrôlement, c'est pour quel enrôlement? C'est pas enrôlement pour les crypto-monnaies, ceux qui veulent créer les comptes et tout ça. C'est gratuit actuellement. Mais lui-même, là, son compte est gâté en ce moment. Voisin, bon, je t'informe par ricochet que moi, je déménage du quartier, hein, je vais de l'autre côté. Hein. Mais là-bas, la maison, là, même là. Non, c'est pas pour aller à location. Hein. Moi, j'ai déjà payé ma maison là-bas. Tu as fait quoi? Il dit, j'ai déjà payé ma maison. C'est ce qui va t'arriver. Tu auras ta bouche qui va sortir, qui va s'ouvrir jusqu'à comment on appelle, à ton cœur, au niveau de ton cœur, tellement ta bouche sera grandement ouverte. Parce que ce petit que tu négligeais là, c'est lui qui va venir te donner cette information. Et grâce à quoi? Grâce à la crypto-monnaie. Voilà les choses qui vont se passer. Voilà, et ça ne va pas prendre du temps pour arriver. Alors, à la dernière formation que nous avons faite à Abidjan, alors, un étudiant de cette formation nous a interpellé pour nous dire que, coach, est-ce que vous êtes au courant que MTN est rentré plein pied dans cette affaire de crypto-monnaie déjà? Je dis, mais comment ça? Alors, MTN a créé, voilà, une application où tu peux payer des USDT, tu peux payer pas mal de crypto-monnaies, du Bitcoin et pas mal de crypto-monnaies. MTN est déjà lancé dedans. Est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que tu sais que cette application existe? Il faut t'asseoir. Quand tu vas appeler, on va te dire touche 1 si vous voulez appeler, si vous voulez payer du chiffre, appuyez la touche 1. Appuyez la touche 2 si vous voulez payer du Bitcoin. Appuyez la touche 3 si vous voulez payer du cake. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà des choses qui sont en train de venir plein pied devant toi. Et donc, tu ne seras qu'un laissé pour compte que lorsque tu te lèveras pour aller tirer ton épingle du jeu, ce n'est pas le gouvernement qui va venir te dire voilà ceci, voilà ceci. Non, chacun fait sa part. Alors, l'éducation financière, on n'enseigne pas ça à l'école. On t'enseigne à devenir un bon administrateur, ça on t'enseigne ceci. Mais l'éducation financière, c'est toi-même qui vas aller chercher cette éducation financière, comment épargner, comment fructifier mon argent. Voilà, tout ceci, c'est toi-même qui vas aller chercher ces informations, faire ton développement personnel là-dessus, faire ton éducation financière afin de tirer profit et de sortir de la précarité pour briser définitivement, voilà, le cycle de cette pauvreté qui ne fait que, voilà, nous plonger, voilà, à nous entretuer, qui ne fait que nous pousser vraiment à devenir malhonnêtes au jour le jour parce que l'inflation ne va pas s'arrêter parce que c'est toi qui es rentré. Non, l'inflation va aller toujours grandissant. Pourquoi? Parce que l'objectif final, c'est que tu ne sois plus propriétaire de tes biens. Voilà, Klaus Schwab l'a dit à la dernière réunion, voilà, du Forum économique de Davos. Il a dit, alors, d'ici 2030, voilà, vous ne serez plus propriétaire de vos différents biens, voilà, mais vous serez toujours content. Il a dit, tu penses que ce sont des phrases en l'air qu'il dit?
Tu vas comprendre ce qui est en train de se passer. On va te pousser, jusqu'à ton dernier retranchement. Et c'est là que tu vas comprendre qu'ils ne sont pas là pour tes beaux yeux, ils ne sont pas là pour te faire plaisir. Alors, il y a un ordre mondial, il y a un ordre qui est déjà établi. Alors, c'est un chronogramme qui va être exécuté. Voilà. Alors, est-ce que tu es au courant de toutes ces choses-là? Alors, tu n'es pas au courant de ça. Tu es assis, tu ne crois que ce qu'on te montre à la télé. Tu ne crois qu'au grand débat que les gens font. Alors, il faut t'asseoir. Il ne faut pas tirer ton épingle du jeu. Tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Alors, la formation voilà, qui va se tenir après voilà, la conférence du 17 à Abidjan. Alors, ce sera une conférence au niveau de la bourse de travail de 13 villes. Alors, la conférence, voilà, la formation se fera voilà, le 30 mars prochain. Alors, c'est toujours avec une somme forfaitaire de 50 000 alors, pour ce séminaire d'une journée. Alors, vous serez informés après la conférence du 17 qui sera à un prix forfaitaire de 5 000 francs pour la conférence. Voilà, pour que vous envoyez tous les détracteurs, tous les grands débatteurs. Envoyez-les là-bas pour qu'ils soient vraiment éclairés. Permettez-les de recevoir un peu de lumière. Ensuite, voilà, va se poursuivre le 30 voilà, mars, la formation proprement dite, voilà, qui permettra à chacun vraiment de tirer son épingle du jeu, d'avoir les nids actifs qu'il faut, d'avoir les crypto-monnaies qu'il faut pour 2024, parce que toujours 2024 reste pour nous encore l'année d'accumulation. Alors, quelles sont les crypto-monnaies qu'on accumule? On n'a pas dit d'aller payer les crypto-monnaies grenouille coin ou bien riz coin. C'est pas ce qu'on a dit. Voilà, toutes sortes de coins avant sorti parce que, alors, l'année 2017, c'était la même chose. Alors, lorsqu'on est en train d'approcher vers le halving, alors ne soyez pas étonnés. Tous les jours, de nouvelles crypto-monnaies vont sortir avec des narratifs explosifs. Mais est-ce que tout est bon à payer, mon frère? Est-ce que tout est bon à payer? Alors, c'est là que la formation aura du sens pour toi. Alors, à cette formation-là, vous serez vraiment nantis d'informations. Et le 30, voilà, ce serait cette formation-là qui va se faire. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Alors, sachez toujours que c'est l'expérience. C'est avec l'expérience que nous parlons. Alors, des choses vécues, voilà, dans la chair souvent même, voilà. Mais aujourd'hui, ayant vraiment pris de la hauteur au-dessus de tout ceci, on raconte tout ceci, on vous fait don de toutes ces expériences voilà, douloureuses traversées dans le monde de la crypto-monnaie et même dans le monde de tous les jours. Voilà, et pour que cela vous évite de faire certains erreurs que nous avons fait et aussi de profiter de nos réussites aussi, voilà, des échanges d'expériences, du réseautage, tout ceci se fait au cours de ces formations. Allez, alors donc, ne vous faites pas raconter ceci, soyez aux différentes formations, seule l'expérience enseigne. À la prochaine.